Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend cette dernière fois, c'est-à-dire en guerre contre le roi de France, hein, vu qu'il a été excommunié. Par contre, je ne mettrai pas la tête des troupes pour une seule raison. J'ai pas envie. Voilà. Bon, ici j'étais indécis en sachant quoi rajouter. Les impôts, si je les augmente, ça augmente quasiment de rien, donc pour l'instant, c'est pas très utile. Bon, pourquoi pas les troupes en plus, hein, avoir une plus grande armée, moi je suis toujours pour. Mais bon, voilà. Ensuite, regardons si on a de nouveau. C'est trop maximum, ouais. Bon, nous sommes en guerre, et nous sommes indépendants, donc ce qui veut dire, là, nous allons faire la guerre. Si jamais on gagne, on va gagner beaucoup de prestige, ça va rétablir l'ancien roi de France. En fait, le roi de France qui n'est pas excommunié va redevenir roi de France, préféré. Donc si je gagne, je crois que c'est Hugues qui redevient roi de France. Bon, c'est compliqué, hein, vous comprendrez. Donc, voilà. Par contre, le petit problème que je sois indépendant, et ça, j'y ai pas pensé quand j'ai fait ça, j'y pensais par la suite, c'est que si jamais... Le Kaiser, il peut me déclarer la guerre pour revendiquer le territoire de la Bourgogne, étant donné que je fais partie normalement du Saint-Empire. Et là, ça m'emmerderait plutôt bien. Parce que ça veut dire que je subirais beaucoup de... Même pas beaucoup de dégâts, je m'en referais tout court, hein, faut dire ce qui est. Ça me ferait pas du bien, vraiment. Donc, j'espère que ça passera tranquillement, sans problème. Bon, il peut encore avoir un enfant, donc c'est pas le problème. Peur de succession, j'ai pas d'héritier, donc c'est normal. Bah, je gagne 200 de prestige, c'est surtout pour le prestige que je fais, hein, je vais pas vous mentir. C'était un camp de miliciens qui est utile au début. Camp de miliciens caserne, c'est ce que je vous conseille à faire en début de partie. Tant que c'est ça qui vous rapporte le plus de troupes. Putain, j'ai beaucoup de troupes qui viennent m'aider en plus dans mes guerres là. Parfait. Bah, vu qu'on est plusieurs en fait contre la même personne, nos troupes s'entraident en quelque sorte quand on fait un siège, mais c'est le premier arrivé en fait qui va récupérer le fief derrière. Mais à côté de ça, se dire que chacun sait qu'on participe à la même guerre, donc chacun a ses propres revendications dans cette histoire aussi. Donc voilà. Donc cette défaite là, je peux rien contre. Bon, je force hein, pour éviter. J'ai envie de faire ça vite pour éviter en fait de morfler. Voilà. Hop. Pour éviter en fait une déclaration de guerre du Saint-Empire, donc j'ai envie de vite me manier. Hop, voilà. Et parfait, j'ai une deuxième revendication. Maintenant, je vais faire une revendication sur Lyon. Oui, là, je vais faire beaucoup de revendications un peu sur mes frontières pour en profiter. Hein. Et par hasard, si je peux lever des troupes en plus. Pas pour l'instant, donc c'est dommage. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Le Kaiser ne nous a pas déclaré la guerre, donc tout se passe pour le mieux. Bon, il ne veut pas accepter, d'accord. Donc, si jamais aussi mes coéquipiers récupèrent beaucoup de territoire, au final, on peut gagner cette guerre par ce côté-là.
Parce qu'il n'y aura plus de troupes, donc il sera obligé d'accepter mon traité de paix. Hein. Même s'il ne veut pas, il sera obligé. Donc moi, ça m'arrange. Pas vous mentir, ça m'arrange. Parce que plus cette... naissance d'assassin, une rumeur courant qu'un missionnaire chiite, Hassan Izaba, aurait créé un ordre religieux que nous souvenons des Hachachines. Quelque part en persécution de la force de ruse et de fourberie, ce que missionnaire assassin a fort entraîné à réémerger, je pense, je voulais mettre. Donc ça a été coupé, donc désolé, je sais pas pourquoi c'est coupé. Mes troupes, je peux avoir en tout 1700 troupes, d'accord. Oh là là, stoppez cette histoire. Voilà, là on peut. C'était un peu trop de justice ce que j'ai voulu faire. Et voilà. Et voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je suis redevenu indépendant dans cette histoire. J'aurais peut-être dû refuser. En tout cas, je vais rapatrier mes troupes chez moi, ce que j'ai fait, je pense, ma guerre. Et la première croisade contre Jérusalem a lieu. Donc, si tout va bien, le Saint-Empire va y aller. Donc, moi, ça m'arrange. Si le Saint-Empire y va, ça veut dire qu'il y aura... j'aurais plus de problème du tout avec eux, faut dire ce qu'il y a. Et moi, je vais négocier avec le roi de France, en fait. Je vais contourner ce problème-là. Je vais demander, en fait, la paix avec le roi de France. Qui me dégarde ? D'accord, le duché de Haute-Bourgogne me déclare la guerre, d'accord. Là, ça m'arrange en fait. Bon, par contre, on met des très bons guerriers. Maintien de morale. Poursuite dégâts. Défense, il est pas bon en défense sur nous. Maintien de morale très bien aussi. Défense parfait. Bah, c'est aussi un peu de stratégie derrière avec les troupes, faut pas mentir. Bon, lui pour l'instant. Non, non, ça par contre c'est de la triche. Ça par contre c'est de la triche. Parce que lui en fait il fait que passer et il me raye mes armées. Ah c'est énervant ça, je vais pas vous mentir, c'est énervant. Moi je vais me défendre, je vais pas vous mentir. J'ai personne qui peut commander. Ça par contre ça va être... je vais le sentir mauvais cette game là. Faut que j'ai la paix avec lui. Moi je peux pas me permettre de continuer une guerre contre le roi de France. J'ai plus de troupes, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sans troupes? Ouais, j'ai plus d'armée, j'ai plus rien. Si personne ne veut m'aider, je suis dans la merde moi. C'est ça qui est bien. Non, faites bien. C'est que mon os s'est fait exploser contre le roi de France et là je peux plus rien enlever.
donc mercenaire, il me faut une petite horde qui coûte rien. Ça a commencé avec 1250, donc vous allez voir, je vais me ruiner à une de ces vitesses. 90. C'est vraiment moins cher que j'essaie de trouver, franchement. On va ranger par coup. Ah, j'ai paumé où j'en étais. Oui, par contre, lui. Normalement ils apparaissent ici, mais pour éviter qu'elles se fassent dégommer tout de suite, ils font apparaître à côté, hein. Bon. Voilà, hein. J'attends que le moral augmente en fait de mon armée. Je pense que là, mon armée est plutôt bien. Par contre, juste une chose. Ah, je peux pas. Bon. Alors, petite technique personnelle. Vous levez ça. Vous met... En fait, vous pouvez pas mettre vos généraux dans une armée comme ça. Par contre, vous pouvez... Non. Bon, bah, ils ont corrigé ce bug. Tant pis, je suis obligé de l'avoir. Premier, moi j'arrive de... Donc voilà, on va faire ça comme ça. Par contre, je suis riche. Je sais pas d'où je récupère ma fortune, cette richesse, mais je suis riche d'un coup. Donc... Et vu qu'on est riche... Double bourg fortifié. Ah par contre oui, j'ai plus d'argent après par contre pour les mercenaires. Bon, rattrapez-les s'il vous plaît. C'est incroyable ça, je peux pas les rattraper. Le 23. Voilà, là je peux rattraper enfin. Bon, par contre je vais perdre tout l'argent que j'ai, ça je vais pas mentir. Donc voilà. Alors tout de suite là, on a réussi à gagner ça. Les mercenaires renvoyés. Voilà. Voilà. Ouh, tout va mieux. Évidemment ça on augmente. Et en guerre contre qui en fait? Bon bah faut que j'aille l'aider. J'ai plus dormi hein. Ah, bon. Ah mais si. Ah je me suis reconstitué. Je me suis reconstitué une armée apparemment. Ah bah voilà, je sais où j'ai récupéré mes troupes. J'ai récupéré mes troupes de la France en fait.
De l'endroit où c'était indépendant en fait. Là où c'était, où il y avait rebelles. Par contre, je vais pas pouvoir aider. Là, par contre, je peux pas l'aider du tout en fait. C'est bon. Faut que j'aille aider. Tant pis pour roi de France. Plus important, c'est d'aider mes alliés. En vrai, je peux pas partir à cause. Voilà, regardez les armées, je peux pas partir à cause des histoires d'armées. Donc ma demi-sœur. Ça par contre, oui, je peux finir blessé, mais c'est pas encore trop grave. Par contre, je vais lever Lost. Oh, c'est tellement gentil. Bon, par contre, un petit défaut, comme vous constatez. Bon, recherche technologie militaire, recherche technologie économique. Ici nommé nouveau. Les technologies ici. Vous pouvez constater une chose, c'est que beaucoup de royaumes ont pris leur indépendance dans cette histoire. Et moi, je vais faire la guerre déjà pour récupérer ces royaumes indépendants. Ce qui est le plus important, j'ai envie de dire. Puis par la suite. Une fois que le royaume de France chancelier, j'accepte. Puis par la suite, on verra comment ça se présente. Je vais pas vous mentir. Pour l'instant, on évite. On va mettre... Voilà, dégâts d'attaque, boum. Hop. On va tout de suite aider ma mère dans cette histoire. C'est bon, Richard 4, c'est bon, guys. Et comme ça, je pense, si je récupère suffisamment de duchés en fait du royaume de France, je pourrais usurper le titre du royaume de France. Hein. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, ouais, il y en a 8. Si je contrôle la moitié, je... Bon, je vais pas gagner, c'est pas grave. Si vous gagnez, vous gagnez du prestige, je remets de l'or, mais j'ai un doute pour l'or. Oh. Je vais pas aider, parce que, comme j'ai dit, j'allais aider déjà le sud, hein, donc je vais aider déjà ce que j'avais prévu de faire. Le problème, c'est que plus il y a de guerre, plus ça fout en guerre un peu l'État, hein, je vais pas vous mentir. Non, je vais pas me convertir. C'est pas à moi de le faire. Je suis un franc, c'est ça? Oui, je suis franc, donc je reste franc, moi, je suis désolé. Bon, l'armée de France n'en a plus, je suis seul à avoir encore des troupes, et mes troupes sont pas là, donc... Guerre perdue encore une fois. Hein.
Cavalerie. Voilà, après vous avez aussi des aptitudes en fonction des capacités. Voilà. Voilà, ici je vais libérer Salerme. Bataille. Boum 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 boum. Voilà. Bataille. En une bataille, je réserve en fait toutes les armées. Le gain que vous gagnez en victoire dû aux batailles, c'est un gain en fonction du pourcentage des armées totales qu'a votre adversaire. Que peut avoir l'armée ennemie. Par exemple, vous détruisez 100% d'armée ennemie, vous gagnez énormément de score de guerre. Inversement, vous détruisez une toute petite partie d'armée ennemie, dans ce cas-là, vous meurdez complètement, faut dire ce qui est. Hein, c'est... Voilà, j'ai des cernes, cernes a été de nouveau uni. Par contre, si vous dégagnez par exemple 15%, votre score de guerre sera beaucoup plus faible. Ce qui s'est passé là, c'est exactement pareil. On vient de perdre 33% de l'armée française. Je regardais les troupes qui restent du royaume. 1300. Je possède des troupes qui restent en fait du royaume. Donc on a un tout petit problème en fait. À ce niveau-là. Par contre, j'ai tenté des petits coups vicieux. Hein. Moi je peux pas avoir de prétendants. C'est de mettre trouver des prétendants au trône qui absurdent. Wow. Pas de prétendant. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment bordel dans l'état. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive que ça soit tant que bordel. D'habitude, c'est un peu moins le cas. D'habitude, ça change pas les rois tous les années, mais bon. Personnellement, ça change pas grand chose. Je suis pas trop pieux, je vais pas vous mentir. Niveau piété, je m'en fous complètement. En tant que roi, c'est déjà plus important étant donné que vous pouvez devenir. Je vise pas de toute façon à devenir pape, faut être réaliste. Mais pour avoir les ordres. Comment ça s'appelle? Les ordres sacrés, ça demande de la piété. Qui non? Non, je le refuse. D'accord. Non, mais très bien. Je peux pas, il vogue pas. Si je fais ça, oui. Sauf que je vais pas. Tu sais, j'ai refusé, je veux pas. Ah, on va arranger un mariage, je suis désolé, mais c'est des mariages matrilinéaires. Je suis désolé, c'est faut être réaliste là-dedans. Voilà. Voilà, bon. Et la combine est tordue, mais je me comprends, ne vous inquiétez pas, je veux pas en fait perdre, devenir que sous l'autorité du Kaiser, tout simplement. Et c'est pour ça que je dois faire tous les coups les plus vicieux au monde, je ferai tous les coups les plus vicieux au monde, je vais pas vous mentir. Ça j'augmente de 50-50, ouais pourquoi pas, ça peut être utile. On va faire déjà un bâtiment de chaque. Laissez cette guerre se terminer, nous on va se faire une petite fortune maintenant étant donné que niveau technologie, les infrastructures de cité commencent à bien monter, ça nous arrange. Hein. Par exemple cité, vous pouvez faire ça, personnellement je m'en fous. C'est pas trop important. Laissez or s'occuper des cités, vous voyez. Vous voyez ce que gagne une cité? Regardez un château. Et voilà.
Donc les cités, c'est vraiment eux qui sont vos premiers personnes à vous donner de l'argent. Donc au pire, mettez ça à fond, ça change personnellement rien du tout, mais vraiment rien. Là, vraiment, ça m'interpelle vraiment ça aussi, c'est que y a personne. Ouais, c'est. Les armées du Kaiser sont pas venues en fait s'occuper de la rébellion, vous voyez, il y a la dépendance ici un peu. Si l'indépendance se propage en fait, je vais profiter de ça pour déclarer la guerre à la Lorraine et récupérer la Lorraine et la Santoise en même temps, vous voyez. Par exemple, on regarde le suzerain, il peut mobiliser plus que 8000 troupes et ça diminue parce que je pense qu'il y a de plus en plus de rébellions. Bon. Armée de Lyon, Nice. Bon, je vais faire une sauvegarde. Sous Bourgogne, oui. Que mon coup, je le sens moyen en fait. C'est vraiment un gros test. Si je me goupe, si jamais je me goupe, je reprends un sauvegarde et je fais pas ça. Hein. Hop, hop, hop. En fait, il y a des rébellions chez lui. Moi, faites ce que vous voulez. Moi je fais ma vie, vous faites votre vie, voilà, c'est l'affaire réglée, voilà, on va m'emmerder. Donc voilà, tous les 12 jours ça diminue de 5%. Jeune, il récupère des parties de la Provence, mais que c'est. Voilà, que demander de plus, hein. Ah bah ça, j'y peux rien qu'il soit arbitraire en attendant. Je pense que personnellement, là j'en profite, pourquoi j'ai tenté ça, parce que je pense qu'il occupait déjà à s'occuper de la Bohème. Ouais, vous voyez, on a dit d'avoir beaucoup de troupes là, 2000 ici à s'occuper. Si, ouais, bon. Ici, je pense que la Bohème, je pense qu'elle s'est fait complètement exploser là. Et qu'il a plus beaucoup de troupes. Il doit déjà s'occuper de tous ses rêves. Oh mince. Bon bah. Je me suis planté dans mon coup, donc Ellipse. Donc nous revoilà. Bon ben. Bah, comme je craignais. Mon idée s'est retournée contre moi et je me suis fait complètement balayer. Hein. Bon, par contre, on va éviter de faire ça. Hein. Donc ce qu'on va attendre en fait. On garde ça sous le pied de la main, je vais pas vous mentir, on garde ça avec nous. Par contre, on va attendre autre chose, qui est beaucoup plus de bordel dans leur empire. Donc ici c'est Gênes, non? Nice, ouais, ben Gênes est en train de reprendre la Provence, génial. Donc après on déclarera la guerre à Gênes, on récupérera des territoires français, c'est génial. Non, pareil, la piété, c'est plus important. On va aussi faire des fortifications, au final j'ai fait pas, mais bon. Vraiment pour aussi peu cher que c'est, je me dis ouais on va y faire, ça sera fait au moins. Ça sera un truc de moins à s'occuper. Voilà, on a ici, Bernay ici, Hugues ici. On attend que le moral monte à 100%.
puis on va exposer ces troupes qui nous attaquent. Normalement contre 16 000 hommes, je fais pas grand chose. Hein. Je suis la dernière force de l'Empire. Du royaume plutôt, pas de l'Empire. Voilà, maintien de morale, modificateur. Et voilà, le centre. Mon centre est trop léger par contre, il faudrait que je remette des troupes dans le centre. Ici, unité qui brille, voilà. Et moi, vu que je suis quelqu'un qui... bon, par contre, on va enlever les troupes là. On se fait complètement exploser, donc on va éviter de trop pousser l'histoire. Hein. Donc voilà, donc comme j'ai voulu faire, bon, c'est comme ça qu'on prend les territoires. Bon, quand vous n'êtes pas assez puissant, évitez. Ma technique, c'est voilà, le Kaiser est très affaibli. En fait, fait que le royaume de France. Pour que ça marche, ces soirées, en fait, fait que le royaume de France soit complètement en paix, que toutes les troupes du royaume de France puissent m'aider. Mais là pas du tout, on est simple duc, le royaume de France est complètement déchiré pour mettre un nouveau roi au pouvoir. Non, moi personnellement, ouais, contre perdu. Et comme par ma vie, la croisade de Jérusalem a échoué. Ça, c'est normal. Et pour tout ce qui est croisade, ou pour ceux qui ont des excès, pour tout ce qui est guerre sainte en général, c'est, tant que Pape propose, c'est la personne avec le plus grand score de guerre qui récupère en fait ce qui est convoité. À côté, c'est pas plus mal, hein, je vais pas mentir. Mais bon, par contre, si vous contribuez pas du tout... Par exemple, vous voulez récupérer les miettes, voilà, en gros, c'est vraiment la personne qui se donne à fond pour ça qui peut récupérer ça, sinon, vous faites avoir. Hein. Bon, on va encore regarder un peu la technologie avant d'arrêter cette vidéo. Hein. Ce majesté également. Négalisme. Pourquoi ? Parce que ma taille de domaine augmente de 1 et surtout court règne. On me reproche moins le court règne, donc au final ça m'arrange. Donc voilà, on va mettre à fond. On va finir cette vidéo sur la fin de cette guerre quand même. J'ai pas envie de la continuer dans la prochaine vidéo. Voilà. Quel enfoiré, gros. Et ma boue. Refusé. Alors, il vient de me... Vous voyez quand même comme l'IA est intelligente, elle vient de m'exploser, de me torturer en quelque sorte. Hein. Très bien. C'est qui? C'est le comte de Charles. Donc voilà, ouais, parfait. On va arrêter à cette vidéo, on a changé d'année, bon tant pis la guerre n'est pas finie, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Malgré que j'ai pas eu ce que je voulais du Saint-Empire, ben, j'espère quand même que cette vidéo vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Que d'ici la prochaine fois vous porterez bien, et vive le jeu vidéo.